Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez commencé une bonne journée remplie de belles pensées, remplie de positivité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien sûr envoyé, vous m'envoyez plein de témoignages. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le faire par voie privée, donc vous m'envoyez des mails et je suis très heureux de cela. Et vous avez dans ma boîte de description de la vidéo mon adresse mail si vous voulez m'écrire. Je sais que certaines personnes et certaines histoires aussi sont délicates. Et si vous avez envie de la partager avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit email à alexandremusruck@gmail.com. Et bienvenue aussi aux personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Je suis très heureux de pouvoir vous compter parmi notre famille spirituelle. Donc, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai déjà tiré ces trois cartes-là, et j'ai une tonne de messages qui m'est venu en même temps que j'étais en train de les préparer. D'accord? Première chose, ils veulent que je vous parle de la famille. D'accord? De la famille, du lien que nous avons avec notre famille terrestre, qui est souvent compliqué, souvent difficile à gérer, souvent incompréhensible dans certains cas, parce que on a tous un caractère différent, on a tous une vision des choses différente, d'accord? Et quand une personne, elle décède, ou quand nous-mêmes, nous avons fait notre transition, vous savez quoi? On voit les choses tous de la même façon. On voit la vraie vérité. Je sais que c'est pas français de dire vraie vérité parce que les deux mots veulent dire la même chose, mais on a cette perception de vérité et c'est là que l'on fait un examen de conscience pour voir si on a bien fait, si on a mal fait, si on a négligé certaines choses, si on a été méchant envers certaines personnes et souvent certains défunts pour se racheter. Non pas parce qu'ils sont punis ou qu'ils sont fouettés de l'autre côté en enfer, non. C'est d'eux-mêmes, ils décident de venir réparer les dégâts qu'ils ont pu causer. D'accord? Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas des travaux forcés, c'est un accord qu'ils font eux-mêmes. Et certaines personnes deviennent des anges gardiens, certaines personnes des défunts accompagnent nos anges gardiens et nous avons ce qu'on appelle des anges gardiens en mission. Notre ange gardien de naissance est avec nous depuis la conception de notre âme jusqu'à notre départ de l'autre côté. Ça ne change pas. Ce qui change des fois, c'est les anges gardiens en mission. Nous avons certains guides, certaines divinités, certains saints par exemple que nous invoquons à certains moments de notre vie qui sont avec nous pour nous accompagner dans ce moment difficile. Aussitôt qu'ils ont terminé leur mission, hop, ils disparaissent, ils vont faire autre chose. C'est comme dans la vie terrestre. Par exemple, quand vous êtes en maternelle, les enfants ont besoin d'une prof, d'une enseignante, mais ils ont aussi besoin d'une assistante maternelle, d'une tati. Vous voyez? Mais aussitôt que les enfants savent se débrouiller tout seuls quand ils passent en primaire, la tati, elle disparaît. Donc c'est pareil, à chaque moment de notre vie, nous avons des gens qui nous sont envoyés, non pas des béquilles, non pas des... voilà, mais des soutiens, des personnes qui viennent nous apporter quelque chose, qui viennent nous soutenir, qui viennent nous apporter une lumière. Des fois, ça peut être des personnes qui nous emmènent des problèmes aussi, hein, mais certains problèmes sont nécessaires parce que nous avons besoin d'apprendre. Et des fois, les coups de claque sont des grandes leçons de vie. Ça nous remet directement sur les rails et ça nous refait penser à ce qui est essentiel à notre vie. Donc aujourd'hui, ils veulent que je parle de cela, que vous compreniez que comment quelqu'un qui a été médisant, quelqu'un qui a été méchant sur la terre, qui ne vous a jamais aimé, peut devenir de l'autre côté un ange gardien, un avocat, un guide invisible. C'est parce que ils ont quitté leur corps humain, d'accord? Ils ont quitté leur corps humain et maintenant ils ont un corps spirituel. Ils ont récupéré, ils se sont débarrassés plutôt de leur corps et ils sont maintenant que esprit. Et l'esprit n'a pas d'ego, l'esprit n'a pas de défaut, parce que n'oubliez pas, l'esprit est fabriqué par le Créateur. L'esprit est une particule de la flamme divine, donc elle est parfaite en elle-même. Elle vient sur terre pour se perfectionner davantage, pour apprendre les leçons de vie telles que la compassion, l'amour, l'aide, la charité, la bienveillance, la gentillesse, le respect, l'honneur, le courage, différentes façons. Vous savez, quand une âme vient sur terre, elle choisit un thème qu'elle veut travailler sur cette terre. C'était comme si, imaginez-vous, vous êtes une âme, et là, vous êtes devant la porte pour venir sur Terre. Et devant cette porte, il y a un jeu. Il y a un jeu de cartes. D'accord? Et sur ce jeu, il n'y a pas d'image, il n'y a que des mots. Et vous allez en choisir un. Et le mot qui va être inscrit sur cette carte va être votre leçon de vie. Par exemple, si vous avez choisi le mot « pardon », vous allez travailler sur le pardon. Pardonnez vous-même, pardonnez aux autres, travaillez la compassion. Chaque instant de votre vie, le pardon et la compassion va être moteur. À chaque fois que vous chercherez ce mot dans votre vie, vous allez être bien, vous allez être sur ce qu'on appelle votre chemin de vie, sur votre destinée. Et aussitôt que vous tombez dans la médisance, dans ce qui est le contraire du pardon, c'est là que vous attirez les mauvaises personnes, les difficultés, les problèmes, etc., etc. Mais aussitôt que vous revenez sur cette énergie primaire, parce que c'est cette énergie qui va vous guider tout au long de votre route, vous allez être bien et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup sur vous. D'accord? Là, aujourd'hui, ce défunt qui vous parle, son objectif, lui, le mot qu'il a eu, c'est le mot « famille ». Le mot « famille ». Quand je dis « famille », ça englobe tout ce qu'une famille idéale a besoin. Amour, compassion, courage, confiance en soi, protection, etc., etc. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a pris cette mission de vie, mais arrivée sur Terre, vous savez, on oublie. On est distrait par les merveilles de cette Terre. La Terre est merveilleuse, hein? La Terre et ses inventions, sa technologie, sa vie, elle est extraordinaire. C'était comme si que vous viviez par exemple dans un pays pauvre, d'accord? Et quand vous arrivez sur Terre, c'est un pays qui est riche, et vous êtes distrait par toutes ces couleurs, toutes ces lumières, tous ces comportements, toutes ces choses qui n'existent pas de l'autre côté, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas la mode, il n'y a pas la technologie du téléphone, il n'y a pas tout ça, et vous êtes distrait par tout cela. Et on oublie très vite la mission de vie. Et cette personne, je pense, elle a oublié d'être le père, la mère, la personne qu'elle devait être. Elle s'est perdue en chemin, elle n'a pas su vous témoigner son amour, elle n'a pas su montrer la compassion, elle n'a pas su vous épauler quand vous auriez eu besoin, d'accord? Elle n'a pas compris vos besoins, elle n'a pas compris ce qu'elle devait faire sur Terre. Et aussi, il faut dire que elle a été mise devant des situations où ce mot « famille » a pris un sens différent parce que, issue d'une famille terrestre qui a eu des problèmes, elle n'a pas su se recalibrer pour honorer sa mission de vie et pour devenir à son tour parent aimant, parent qui comprend. Voilà. Comme par exemple, c'est quelqu'un qui s'était dit que, voilà, il faut que tu t'aides toi-même, il ne faut pas que tu comptes sur les autres. Mais ils ne vous ont jamais appris, voilà, que le monde aussi, il y a des gens qui sont bien, on peut faire confiance à certaines personnes. Il faut écouter son cœur. Son cœur, c'est le plus important, non pas la logique, non pas la tête, non pas le rationnel, parce que certaines choses ne le sont pas. Et quand ces choses, surtout spirituelles, arrivent, elles sont illogiques, elles sont irrationnelles, elles défient toute loi. Et c'est seulement le cœur qui ressent ce qui arrive vers vous, non pas les yeux, non pas les yeux, non pas les 5 sens humains, mais vraiment votre cœur, votre intuition. Votre cœur, c'est le portail vers tout, vers le monde spirituel, vers... Tout le monde pense que le 3e œil, c'est extraordinaire, c'est là où se passent les choses. Mais le cœur, lui, il n'est jamais... fermé, il est toujours en activité, il bat toujours, il s'assure que votre corps soit irrigué, il s'assure que votre énergie soit toujours positive, il vous indique quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous avez des palpitations, quand vous êtes amoureux, quand vous avez des fortes émotions, il vous le fait sentir. Visuellement, il n'y a rien qui se passe quand vous rencontrez l'âme sœur. C'est sûr, c'est plaisant à regarder, mais ce sont vos sentiments, vos émotions qui vous font comprendre que cette personne, elle est pour vous. Donc, apprendre à écouter son cœur, c'est aussi une leçon de vie que vos défunts veulent que vous preniez compte. Et aujourd'hui, comptez les cœurs que vous allez rencontrer sur votre chemin. Écoutez ce message. Combien de fois as-tu vu le mot « amour » aujourd'hui? Combien de cœurs as-tu rencontré sur ton chemin? Tous ces signes sont des témoignages d'amour que je t'envoie pour te réconforter, pour te dire que je t'aime toujours. Donc ce sont des signes d'amour de vos défunts et ils vont toujours continuer à vous les envoyer, ils vont toujours continuer à vous aimer. Donc voilà mes chers amis, le message est terminé, les énergies se dissipent. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on a plusieurs rubriques, donc le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Et le deuxième samedi de chaque mois, je vais travailler sur un tirage pour les défunts. Je vais voir comment ça se passe. Beaucoup plus personnel, beaucoup plus... comment dire, où vous pourrez faire des choix aussi, on verra comment, je laisse cette tâche d'organisation aux défunts, c'est eux qui vont me guider, c'est eux qui vont m'inspirer, comme à chaque fois dans les vidéos. Donc passez une excellente journée, pour ne rien rater, merci de vous abonner, mettez-moi un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour mes vidéos, et bien sûr venez faire partie de la famille, on aimerait, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous fassiez partie de notre cercle intime de la famille spirituelle. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.